Good afternoon, distinguished ladies and gentlemen. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette séance dédiée au financement climatique lors du sommet annuel des CEO africains. Nous savons que c'est une initiative du groupe Jeune Afrique et donc l'organisateur de ce grand forum. J'ai donc le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Alors, quelle est la capacité de l'Afrique pour être autour de la table et pour jouer un rôle important dans l'économie mondiale de l'avenir, ce qui est donc l'intitulé de ce forum de cette année. Alors, l'Afrique fait face à beaucoup d'aléas en termes donc de changement climatique, aussi bien que de perturbations irrelatives. Au cours de la séance d'aujourd'hui, nous allons donc essayer d'examiner comment est-ce que nous pouvons débloquer la finance climatique. En particulier, comment est-ce que le secteur public et privé peuvent mieux collaborer pour atteindre cet objectif? Les flux privés représentent 14% des fonds dédiés au financement climatique africain, ce qui fait déjà face à 213 milliards de déficits. Et nous pensons que nous pouvons jouer un rôle très important en attirant davantage de capitaux du secteur privé. C'est pourquoi j'aimerais donc passer la parole à l'endroit de nos experts de la Boston Consulting Group, Kanye Danyani, directrice et partenaire qui se focalise sur les actions climatiques et directeur autant pour moi qui va nous faire une petite présentation sur la thématique. Thanks so much, Gaël. It's a real pleasure and privilege. J'ai le plaisir, le privilège, merci. Merci à Jeune Afrique d'avoir abrité ce forum. Nous allons ouvrir, n'est-ce pas, avec une perspective mondiale. Ensuite, nous allons venir en particulier sur le cas de l'Afrique et voir comment est-ce que nous pouvons débloquer le financement climatique dans les perspectives, n'est-ce pas, des IFS. Slides work. I am not able to advance the slides. Okay. Ah, now I've gone too far. Okay. Sorry about this. We just tested it a minute ago, and here we are. Okay. So to begin with, I think it's important for us to. Alors, pour commencer, je pense qu'il est très important de reconnaître que les flux financiers climatiques continuent à croître et continuent depuis plusieurs années. Si vous regardez, par exemple, l'année dernière, nous avons vu que ça représentait 27%. C'est quand même incroyable. Et selon la façon dont on calcule ces pays, la plupart de cet argent est dédié aux atténuations. Il faut comprendre que 90% sont dédiés à l'atténuation et 10% à l'adaptation. Mais de l'autre côté, nous constatons également que 1,3 milliard se trouve trop loin de l'objectif qu'on recherche. Nous avons besoin de 7,5 milliards annuels afin d'atteindre les 1,5 degrés d'objectif. Ça veut dire que nous avons une augmentation multipliée par 5 par rapport à la nécessité financière. Alors, quand on réfléchit sur les marchés émergents dans les économies développées, nous voyons que la croissance est à 10. On peut donc doubler ce financement dans les marchés émergents, multiplié par 10 concernant l'argent qui permet de développer les économies. Alors, nous savons que la plupart des économies, leurs besoins est donc sur l'adaptation et non l'atténuation. Et c'est donc le défi auquel nous sommes confrontés. Vous savez, les discussions au cours de la COP 27, 26 et 28, Sharm el-Sheikh, Dubaï et Glasgow, tournaient donc sur l'objectif de 100 milliards. Ce qui est donc la promesse de 2050. Mais je pense que nous avons besoin de 100 milliards. On se focalise dans ce débat parfois sur l'objectif manqué. Et je pense qu'au cours de la prochaine COP, nous allons donc engager un changement par rapport à l'objectif collectif. Alors, pour regarder un peu le cas de l'Afrique, 2% simplement de flux financiers climatiques sont donc orientés vers l'Afrique subsaharienne. Nous avons l'Afrique du Nord qui a un tout petit chiffre, comme vous pouvez le constater. Et donc, dans cela,
10% sont dédiés au secteur privé, ce qui veut dire que le défi que nous avons, c'est donc un écart et des montants très importants de flux orientés vers l'Afrique, ce qui est donc très minimal. Alors, on parle ici, n'est-ce pas, des banques multilatérales, aussi bien que des institutions financières internationales. Quel est donc leur rôle en termes donc du financement climatique? En 2022, c'était 10% qui provenaient des MDB, donc les banques multilatérales de développement. Donc, quand vous regardez, par exemple, sur le financement de l'adaptation, le montant provenant, n'est-ce pas, de ces banques multilatérales ont donc un certain pourcentage. Et ces banques sont soucieuses du développement, l'adaptation, la résilience, qui sont liées, et ce qui sous-tend également un bon nombre d'activités y afférentes. Il est donc très important de commencer à partir de ce point, de comprendre que les MDB jouent un rôle très important sur la finance et l'adaptation. Alors, ce qu'il faut également remarquer sur cette diapo, c'est en rouge ce qui représente le secteur privé qui est négligeable. Les sommes d'argent qui proviennent du secteur privé représentent donc un écart immense. Et je pense que c'est à ce niveau que nous avons besoin de l'argent pour la transition climatique. Alors, regardons un peu ici. En y réfléchissant, nous avons donc cette carte qui montre que l'argent des fonds publics doit venir pour diminuer le risque de l'argent privé. Et ici, nous disons que ce potentiel catalytique de l'argent qui vient, n'est-ce pas, des banques de développement multilatérales permet de catalyser la finance privée. Et ceci est censé engager le changement par rapport aux flux financiers, ce dont nous avons parlé depuis le matin. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les MDB sont d'accord. Elles se sont mises d'accord pour dire qu'elles veulent créer la différence, pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons travailler de façon collective par rapport à ce problème. Par contre, il y a un défi, enfin, il y en a 5 selon notre perspective. Par exemple, comment est-ce que le capital privé fonctionne? D'abord, nous avons le manque, n'est-ce pas, des projets bancables. Et donc ici, cela prend la nécessité, n'est-ce pas, de gérer des risques. Et puis, ça diminue la confiance, n'est-ce pas, des investisseurs. Donc, dans ce type de risque, que ce soit au Japon, au Brésil, au Rwanda, en Allemagne, vous allez voir que ce sont des risques liés au projet. Le deuxième point qui est très important, c'est le profil des risques des pays. Je pense que nous avons un problème lié donc au risque macro-fiscal et politique dont on a parlé ce matin. Nous avons engagé certaines analyses qui ont donc analysé les pays ayant les meilleures notations, les mêmes notations dans la plupart des pays dans le monde entier, différents projets. Nous avons découvert qu'en Afrique, pour un même projet avec les mêmes notations de risque, nous payons 500 fois plus qu'un projet dans d'autres parties du monde. Par exemple, au Brésil, par rapport à l'Afrique du Sud, même projet, même notation de risque, etc. Mais nous voyons que le prix des capitaux en Afrique est 500 fois beaucoup plus élevé. Le troisième point, c'est sur le manque de disponibilité des concessionnalités. Même si, par exemple, on nécessite 300 milliards de capitaux pour développer la finance climatique. Mais il n'y a que 100, sinon moins de 100, qui seront donc orientés vers le climat et... ce qui veut dire que la disponibilité, n'est-ce pas, des capitaux concessionnels devrait être catalyseur. Et ceci n'est pas aussi présent qu'on me le souhaite. La quatrième dimension, c'est l'harmonisation. Vous savez, donc, au niveau des banques de développement multilatérales, aussi bien que les comptes individuels de développement qui apportent des capitaux concessionnels. Nous avons vu, par exemple, qu'il y a beaucoup de marchés qui sont en concurrence. Et puis, lorsque vous invitez... un certain niveau l'argent public financé dans une certaine zone géographique. Est-ce qu'il faut avoir de la compétitivité? C'est une bonne chose. Mais il faut réfléchir sur la nécessité de la collaboration au niveau des autres BDM, des banques de développement multilatérales, à cause de la compétitivité avec le secteur privé. En dernier lieu, nous avons également des écarts en termes de données. Nous avons la taxonomie qui doit, n'est-ce pas, nous aider à faire avancer cet agenda. Alors, quel est donc le rôle des banques de développement multilatérales, les BDM? Elles peuvent financer
a réduit les risques, a créé des instruments pour permettre à ce que les projets soient beaucoup plus attirants. Ils peuvent offrir du renseignement du marché, ce qui est très important pour comprendre la complexité et la dynamique qui existe en Afrique. Et puis, ceci n'est pas simplement lié au projet, mais aussi aux agences de notation. Ils peuvent déployer leur propre expertise afin de structurer des initiatives et pour mobiliser davantage de l'argent privé. En dernier lieu, ils peuvent également investir sur le renforcement des capacités au niveau des projets, au niveau des institutions financières en Afrique, mais aussi des institutions financières dans d'autres parties du monde pour leur faire comprendre qu'il y a ce niveau minimal de risque requis. Voilà donc ce que je pouvais faire pour planter le décor. Nous avons parlé également de la nécessité de répondre à certaines questions. Je vais vous laisser donc le soin, n'est-ce pas, d'engager les débats. Je vous remercie infiniment pour l'opportunité. Et voilà, je donne la parole à la modératrice. Please give Kaye a big round of applause. Thank you. So, now I'm... Alors, mesdames et messieurs, je vais appeler les cinq panélistes, notamment Françoise Landa, qui est la présidente de POCAPO, Proparco, sous vos applaudissements, tant pour moi. Alors, nous avons également le plaisir d'accueillir Maria Atkinson, la présidente de Sweat Fund, et Yvonne Ike, qui est directrice, n'est-ce pas, et responsable de l'Afrique subsaharienne, Yvonne Ike. Voilà, directrice et responsable, n'est-ce pas, de la Banque de l'Amérique, région Afrique subsaharienne. Viviane Yeda, directrice générale de la East African Development Bank. Et le dernier qui n'est pas de moindre, Paul Rousseau, président du groupe KCB Group, la Kenyan Commercial Bank. Sous vos applaudissements. Au cours de la présentation, nous avons donc à répondre à trois questions au cours de ce débat. La première question, c'est quel est donc le rôle du secteur public et de façon spécifique, quel est donc le rôle des comptes individuels de développement pour mieux mobiliser le capital privé pour la finance du climat? Alors, la deuxième thématique, c'est la bancabilité des projets. Comment les améliorer? Et la troisième thématique d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que la collaboration entre les institutions de financement de développement et les banques de développement peuvent s'améliorer. Voilà, donc je vais donc commencer le débat avec... I'm gonna sit here. So, Yvonne, I'm actually going to start with you. Alors, je vais commencer avec vous, Yvonne. Parlons un peu de la perspective des banques commerciales. Dites-nous un tout petit peu s'il y a un programme ambitieux pour galvaniser le secteur privé à la Banque d'Amérique. Merci infiniment. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Nous avons entendu parler des défis sur le fait que les banques de développement multilatérales n'ont pas assez d'argent pour combler le vide. Nous sommes également conscientes de l'opportunité d'ici... l'économie africaine sera donc à valeur de milliers de milliards, ce qui veut dire que ça représente un écart immense. Il y a donc beaucoup de travail à faire. Mais la bonne nouvelle, en tout cas de ma carrière, je n'ai jamais vu autant d'intérêt de la part de la communauté internationale comme on peut le constater aujourd'hui, notamment pour des pays tels que les États-Unis. La Chine a toujours interagi à plusieurs reprises et les Chinois sont même en train de réfléchir encore sur la façon d'interagir. Mais je vois beaucoup d'intérêt pour les pays des États du Golfe, l'Europe, les États-Unis et même le Sud mondial. Alors, par rapport à la perspective du secteur privé, ce qui est très important à reconnaître, c'est qu'il faut se focaliser sur l'échelle. Il faut réfléchir sur les outils que nous allons utiliser afin d'accélérer les investissements dans la région. Et ceci nécessite la collaboration. Au niveau de la Bank of America, nous avons une ambition qui consiste à galvaniser ou rassembler 1,3 000 milliards de dollars de capital pour la durabilité et la transaction liée au climat d'ici 2030.
C'est pourquoi nous avons déjà 400 milliards, ce qui est donc une petite fraction qui se trouve, qui est dédiée pour l'Afrique. C'est pourquoi il faut continuer à accélérer cela. Nous avons également d'autres initiatives d'innovation que nous sommes en train de faire, notamment sur la nécessité de travailler avec les institutions, les BDM, aussi bien que les institutions internationales de capitaux privés pour apporter davantage de produits et de capitaux dans la région. J'aimerais donc prendre un exemple, la Calvin Funds, qui est un fonds américain, qui ont donc une structure très intéressante. Ils peuvent prendre 20 dollars d'un investisseur ou 20 millions de dollars à peu près, ils les mettent donc dans leur bilan. Et puis, que ce soit des personnes qui financent la dette, c'est donc un instrument de dette. Et puis, ils arrivent à louer ce capital de dette vis-à-vis des fonds à travers le monde, y compris l'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, nous avions donc pu injecter 30 milliards de dollars, millions de dollars, autant pour moi, et nous pensons que c'est une initiative qu'on peut répliquer à l'échelle mondiale avec d'autres fonds. C'est donc une des façons qui nous permet donc d'accélérer, n'est-ce pas, le tuyau ou la portefeuille de l'investissement dans la région. Une autre initiative, c'est le type d'instruments que nous utilisons. Nous avons besoin de catalyser les sources de capitaux qui sont orientées dans la région. Ce que nous constatons davantage, c'est qu'il y a beaucoup de travail avec les investisseurs d'impact, les fondations, aussi bien que d'autres institutions de gouvernement qui sont désireux d'investir en Afrique, y compris les institutions, par exemple, DFC, qui veulent bien investir en Afrique. Mais les outils n'existent pas encore et il n'y a pas autant d'outils au moment où je parle. Je reviendrai un peu sur ce sujet un peu plus tard. Mais ce que nous avons remarqué, d'autre part, c'est que la collaboration avec ce financement mixte montre qu'il y a d'autres parties qui s'invitent, qui fonctionnent très bien quant à la mise à l'échelle de l'échelle et les capitaux orientés dans la région. Donc, je pense qu'il y a du progrès, mais il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Merci, c'était une très bonne introduction. Merci Yvonne. Paul, est-ce que vous pouvez nous présenter la perspective des banques commerciales africaines et comment est-ce que vous arrivez à mobiliser ces capitaux privés pour le financement climatique? Merci infiniment. Écoutez-moi, tout ce que je peux dire, KCB opère dans sept pays en Afrique, en particulier en Afrique de l'Est. Et nous avons 128 ans d'existence, c'est donc 128 ans, n'est-ce pas, d'enseignement que nous impactons dans le monde temporel de la finance. Nous avons donc décidé d'examiner, de faire des examens et de s'assurer que nous vérifions, n'est-ce pas, les possibilités d'investissement. Nous allons bientôt clore une facilité de 200 millions de dollars afin de donner des fonds aux entreprises qui sont intéressées. Et puis, ils vont également utiliser le shilling Kenya pour les entreprises qui sont désireuses de prendre des crédits aux fins de finance. Nous avons également signé pour l'initiative Zéro Net. Nous sommes engagés sur la bancabilité responsable. Alors, pour revenir sur la question, je crois personnellement que la plupart des institutions, surtout des banques, auront beaucoup à gagner. Et c'est pourquoi nous devrions renforcer les partenariats. Moi, je suis un défenseur du partenariat. La BAD en fait partie de nos collaborateurs. Nous avons signé une proposition de 95 millions de dollars avec Proparco. Et puis, DFC également, nous sommes bientôt en train de conclure un business avec eux. Donc, je crois fermement à la nécessité des partenariats. Et le collègue qui a présenté a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit comment est-ce que vous allez apporter votre expertise à la table en invitant des partenaires qui ont la capacité de faciliter cela. Et puis certainement, il y a des institutions qui ont mieux d'expérience que nous.
en dehors donc de l'Afrique ou bien de l'Afrique de l'Est, mais nous voulons apporter de l'expertise dans ces différents fonds. Oui, on en discutera un peu plus tard. Maintenant, je vais revenir à Vivienne. Vivienne, au niveau de la East African Development Bank, vous êtes à l'avant-garde pour être responsable des conséquences du changement climatique. Vous avez une bonne expérience pour les phénomènes de sécheresse, de déforestation, d'inondation dans la région. Vous avez préparé ce discours. Vous avez dit que vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas gérer l'adaptation toute seule. Parlez-nous un peu du parcours de la Banque de l'Afrique de l'Est. Comment est-ce que vous vous êtes arrangé à trouver une sortie dans la finance climatique? Merci infiniment. Merci pour l'opportunité d'être ici en tant que la Banque de l'Afrique de l'Est. C'est une institution qui est donc impliquée pour accompagner les petites et moyennes entreprises, les micro-petites et moyennes entreprises, surtout celles qui sont très intéressées par rapport aux institutions de financement de développement, aussi bien que les banques commerciales. Nous sommes une institution et en tant que... Pour les petites entreprises qui entreprennent des activités dans le domaine agricole, nous nous fions sur le cycle naturel, notamment les pluies naturelles, le cycle solaire, etc. Donc, depuis plus de 2 ans, plus de 10 ans, cela a donc montré un changement sur les tendances climatiques. Et ceci a donc eu un impact direct sur nos clients et un impact direct sur notre cahier de prêts. Voilà, nous avons donc entrepris ce parcours avec les entreprises parce que nous comprenons très bien les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et puis, c'est donc une très bonne nouvelle que le financement lié au climat et l'adaptation, l'atténuation sont aujourd'hui autour de la table. Mais quand on a commencé il y a 10 ans de cela, ce n'était pas des thématiques qui nécessitaient de préoccupations. Nous avions essayé de défendre ces causes au cours des forats comme celui-ci, des endroits où il y avait des décideurs. Mais malheureusement, ce n'était pas une thématique qui excitait tout le monde. Mais aujourd'hui, je vois que tout le monde y est préoccupé. Nous espérons que nous pourrons en tirer profit. Alors, je comprends un peu les chiffres que vous avez mentionnés ici avec les collègues qui mentionnent des chiffres très importants. Nous n'avons pas encore vu cet argent, surtout le secteur privé, pour l'adaptation. Il y a de l'argent qui est injecté. Beaucoup s'est orienté dans l'atténuation. D'autres attirent les intérêts du secteur privé. Et c'est notamment le secteur énergétique. Il y a donc beaucoup de financements dans les IPP qui travaillent dans le géothermal, l'hydroélectricité. Mais je dois dire que c'est donc une motivation au profit du secteur privé et non une motivation qui est liée donc à la lutte contre le changement climatique. Donc nous, nous sommes préoccupés par rapport au climat en tant que bien public pour l'humanité. Comment est-ce que nous pouvons interrompre les activités qui entachent le cycle écologique de la planète? Et puis, en deuxième lieu, comment est-ce qu'il est possible de réhabiliter à l'échelle toutes ces ressources naturelles qui permettent donc à la planète d'être un endroit où il fait bon vivre? Comment réhabiliter les forêts qui ont été décimées? Et ces forêts sont décimées parce que nous sommes tellement occupés à abattre les arbres, on veut les vendre au secteur privé. Donc, nous voulons poser la question au secteur privé. Est-ce qu'il est possible de trouver des alternatives, des solutions au lieu d'utiliser du bois, le bois de l'Afrique, qui est quand même d'origine autochtone. Et ça provient des arbres qui sont âgés de plusieurs centaines d'années. Au lieu de donner de l'argent, est-ce qu'on peut trouver des alternatives à ces activités négatives? Et ceci pourrait donc avoir un impact immédiat et direct par rapport au climat, mais aussi sur la réhabilitation des ressources qui malheureusement s'amenuisent. Nous sommes donc très conscients du fait que toutes sortes d'appuis que nous allons obtenir du secteur privé, et je vais apprendre quelque chose de nouveau ici, seront donc liés à notre objectif. Donc on doit développer des projets qui, en fin de compte, permettent au secteur privé d'en profiter de quelque chose avant d'injecter de l'argent. Et ce n'est pas des choses faciles à faire, surtout lorsque vous avez à voir à l'environnement et aux ressources naturelles, la faune, les causes aqueuses. Ce n'est pas facile de traduire de tels projets en initiative qui crée des retours sur investissement. C'est donc le type de discussion que nous avons et les défis auxquels nous sommes confrontés. Oui, l'atténuation et l'adaptation, c'est bien compris.
Sur ce, je vais donc passer la parole au secteur public. Françoise. Alors, quelle est la stratégie de Proparco concernant la mobilisation privée des capitaux ou bien du financement climatique? Merci infiniment. Pour commencer, j'aimerais dire que les institutions de développement finance contribuent davantage au financement climatique, bien sûr, parce que le climat reste une priorité pour nous tous depuis plusieurs années maintenant. En l'occurrence, au niveau de Proparco, nous avons 100% des projets qui s'alignent donc avec l'accord de Paris, mais plus de 40% de nos activités l'année dernière qui ont été orientées sur des projets bénéfiques au climat et aux activités d'adaptation et d'atténuation. Sur ce, je dois dire que ce n'est pas certainement suffisant afin de trouver des solutions au phénomène, n'est-ce pas, qui a été mentionné depuis le début de cette présentation. Nous devrions clairement agir de façon différente parce que nos propres capitaux ne sont pas illimités et donc nous devrons le faire peut-être de façon différente. Alors, c'est quelque chose de nouveau, surtout pour les institutions de financement du développement, en ce sens que nous étions habitués à rendre compte sur le volume, n'est-ce pas, des capitaux privés que nous mobilisions, mais nous n'étions pas habitués à avoir cet objectif de mobilisation du capital privé par rapport à notre agenda, par exemple le volume d'activité dans notre propre bilan. Et donc, dans ce sens, je pense que c'est un nouveau paradigme pour les institutions, n'est-ce pas, de financement au développement. Alors, à Proparco, à partir de l'année prochaine, nous aurons donc l'objectif de mobiliser 1 euro de capitaux privés par rapport à 1 euro dans notre bilan. Et je pense que c'est donc l'objectif qui est assez ambitieux afin de... qui permet donc une espèce d'incitation à l'interne, mais ça nous permet également d'être crédibles, parce que parfois on parle du levier, etc., mais beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment. Alors, pourquoi est-ce que cela est crédible? C'est parce que les institutions de financement de développement continuent à faire ce qu'elles ont toujours fait, surtout dans le contexte de fragilité. Et donc, soyons un peu clairs, nous n'allons pas mobiliser des fortes sommes de capitaux dans ce contexte. Et donc, par rapport à ce que je viens de dire, pour commencer également à discuter sur cette thématique, je dois dire que les investisseurs institutionnels, vous savez, lorsqu'ils sont en train d'établir leur stratégie d'investissement, ils vont donc essayer d'analyser le cadre réglementaire. Ils prendront en compte la nature, n'est-ce pas, des actifs, et ensuite ils vont cibler généralement les revenus fixes aussi bien que les actifs dénominatifs. Et dans ce contexte, très peu des sous sont orientés vers l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de façon différente pour améliorer cette situation? Alors, il faut dire que le débat actuel sur la mobilisation des capitaux privés tourne principalement sur le financement mixte et les différents mécanismes de réduction des risques, aussi bien que les véhicules des crédits, par rapport aux institutions de financement de développement qui portent des niveaux de risque beaucoup plus élevés comparés aux investisseurs privés ou bien les investisseurs institutionnels. Alors, il serait très important d'attirer les investisseurs institutionnels. En tout cas, les banques en question fonctionnent dans ce sens. Beaucoup de gens, par exemple, se sont inscrits dans l'initiative des Green Bonds ou encore des obligations vertes. C'est donc une initiative européenne qui commence donc à avoir des fonds directs par la Commission européenne. Et donc, à partir de ce fonds, nous achetons une portion, n'est-ce pas, des obligations vertes qui sont donc issues par les souverains, les sous-souverains, aussi bien que des entités privées.
Et puis, ce qui envoie donc un signal fort aux investisseurs privés afin de les attirer pour acheter une portion de ces obligations ou ces émissions obligataires vertes. Alors, ça montre donc la robustesse des actifs du projet et puis la qualité, n'est-ce pas, du cadre des émissions obligataires vertes. Donc, ces programmes novateurs sont très utiles. Néanmoins, je pense qu'il y a deux choses à noter, notamment le cadre réglementaire de l'OCDE n'est pas toujours convivial, n'est-ce pas, pour permettre donc aux IFD pour le faire. Et puis, c'est très coûteux en termes donc de capitaux et par rapport aux IFD. Et en deuxième lieu, bon, pour la conséquence de la première raison, c'est que ces structures ne nécessitent pas de fonds concessionnaires pour les rendre beaucoup plus compatibles avec notre propre appétit des risques. Donc, c'est trop coûteux. Voilà. Et parce que ces fonds concessionnels sont très limités par nature. C'est très utile. On doit donc travailler davantage dans ce type de structure pour créer beaucoup plus de leviers. Mais nous devions également, les discussions ne devraient pas être simplement serrées vers les structures, n'est-ce pas, de ces fonds mixtes. Aujourd'hui, nous avons également beaucoup de cofinanciers privés qui ont la volonté, n'est-ce pas, de s'exposer aux pays non membres de l'OCDE sur les actifs climatiques. Et voilà donc avec les institutions, n'est-ce pas, de financement du développement, nous avons par exemple les assureurs qui sont beaucoup plus désirés de travailler avec les IFD. Je parle ici les assurances de crédit privé. Nous sommes en train de collaborer avec les IFD parce qu'elles sont beaucoup plus confortables par rapport à nos processus, notre due diligence, les valeurs, l'expertise. Je dois dire que c'est le plus grand portefeuille de capital qui devrait être mobilisé autant pour moi par les IFD à travers la syndication. Le dernier point, c'est la nécessité d'allouer les systèmes financiers locaux, y compris les fonds privés domestiques, qui sont généralement conviviaux pour financer les projets locaux et les projets à devise locale. Donc, les banques africaines ont donc un rôle très important à jouer dans ce sens, en anticipant les risques physiques, en anticipant les risques liés à la transition pour endiguer également l'amortissement des actifs et puis pour garantir la transition des acteurs économiques, mais aussi en trouvant, n'est-ce pas, des solutions par rapport au secteur très attentif. Nous en discuterons beaucoup plus davantage sur la diminution des risques. Nous sommes un tout petit peu en retard, donc je vais vous poser la question pour être un peu dans les deux minutes dans vos réponses. Alors, quelle est la perspective des Sweat Funds sur la mobilisation des capitaux? Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'IFD et ça fait partie donc de notre stratégie pour continuer donc à augmenter nos capacités afin de mobiliser des capitaux. Et je pense, comme ça a été illustré dans l'introduction, par rapport à ceux dans lesquels nous sommes en train d'investir, c'est comme tout le monde. Nous avons dit qu'il faut investir dans l'atténuation, et dans la transition et même dans les infrastructures. Et puis la question de l'atténuation ou bien de l'adaptation est donc très importante pour nous. Et c'est pourquoi les IFD ont un rôle très important à jouer. Et puis je pense que créer des projets bancables permet donc d'avoir des garanties et peut réduire les risques de ces projets afin que ces derniers deviennent bancables. Je pense qu'une des réflexions, quand il s'agit par exemple de financement à l'adaptation, ça touche ce que vous venez de dire, c'est-à-dire dans notre secteur. Ce n'est pas quelque chose qui doit effrayer tout le monde. C'est un modèle d'affaires qui est proche, n'est-ce pas, de ce que fait le secteur privé. On doit s'intéresser au financement d'adaptation parce que nous investissons dans différents secteurs. Alors, c'est comme Comparco, nous avons également des cibles sur la mobilisation. Nous avons également la finance, n'est-ce pas, des fonds propres. Nous ciblons le changement climatique afin de prendre des risques. Nous avons également des garanties.
De façon historique, nous avons investi au niveau individuel, nous avons travaillé avec les cofinanciers qui ont la volonté de s'engager dans les investissements individuels. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous avons parlé de l'accès au financement, la nécessité du fonds de concession. Il est très important de remarquer qu'en tant qu'IFD, nous venons avec... sans l'objectif de compétir avec le secteur privé, mais nous devions être catalytiques et bâtir ce pont. C'est ce qui est très important de garder à l'esprit quand on parle de nous en tant que financement public. Et ceci est donc très important pour nous. D'autre part, le travail que nous faisons permet donc de mettre une empreinte de qualité par rapport aux actifs. Ceci est également très important. Et comme on l'a dit, ce n'est pas toujours suffisant pour nous. Il y a également un besoin de créer différents types de structures où on peut également évoluer à différentes échelles. Par exemple, la diversification qui est également une partie très importante en prenant en compte les discussions concernant cette thématique. Et je ne pense pas qu'il y a donc une formule magique, mais je pense que ça nécessite des efforts conjoints. On essaye d'agir de façon différente pour avancer. À votre gauche, je vais être un peu rapide. Voilà, j'étais censé être devant. Je m'appelle Michael, je suis le président des Ifomotex Development. Donc, je voudrais être bref. Nous allons prendre les questions, ne vous en faites pas. Oui, je voudrais m'excuser, juste pour dire que je suis présent, voilà. Merci. Alors, Maria, vous avez parlé de comment est-ce que les projets doivent être bancables. Ce sera donc la deuxième question aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons augmenter la bancabilité des projets liés au climat? J'aimerais commencer avec les banques commerciales. Yvonne, dites-nous, comment est-ce que les projets climatiques passent du niveau crédible au niveau bancable? Merci d'avoir fait la différence entre crédible et bancable, parce qu'il y a beaucoup de projets crédibles en Afrique, notamment si, quand on regarde par exemple l'adaptation et l'atténuation, surtout dans le secteur énergétique. Je pense que la différence ici est sur le fait que beaucoup de projets aujourd'hui qui permettent donc de répondre aux besoins n'ont pas encore été testés dans le monde entier, surtout en Afrique. Et donc, ce dont nous avons besoin... c'est davantage de financement sur le développement des projets. Nous avons besoin de beaucoup plus de financement pour le développement des projets et je pense que ce financement doit être centralisé avec les agences commerciales de développement d'Afrique qui comprennent les risques, qui savent comment s'y prendre, mais la question est, ils pourront mieux gérer le déploiement. Alors, ce que nous avons tendance à voir ou à constater, c'est le manque de centralisation qui crée donc les inefficacités. Et donc, la question serait de savoir comment identifier cela. J'aimerais suggérer que parmi les ambitions ou bien les financements dédiés à l'Afrique doivent être centralisés au niveau des institutions qui peuvent accompagner le développement de projets. Et je pense que ceci va créer une différence majeure sur la façon dont nous gérons les risques. Mais il y a aussi des structures qui ont pour rôle d'aider, n'est-ce pas, à élaborer et à mener le projet de façon beaucoup plus prudente. On pourra par exemple identifier, voir le risque, le niveau de risque. Donc le financement dans ce domaine est donc le type de financement qui marcherait mieux pour aider les projets à devenir beaucoup plus viables. Nous avons besoin également de financement concessionnel et afin de mélanger avec le financement commercial. Ceci est très important. Paul, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je dirais que un bon nombre de piliers. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des projets qui sont bancables en Afrique.
Et ça revient un peu sur la présentation que nous avons écoutée il y a quelques instants. Je pense que ce qu'il faut, c'est d'adresser le côté risque. Je vais, par exemple, faire une liste, si vous voulez. D'abord, nous avons essayé d'utiliser cela, de ce côté du monde, sur la syndication qui apporte le regroupement de différentes entités pour essayer de partager le risque. Et comme on a dit, si ça ne fonctionne pas, eh bien, nous tous, nous allons subir les conséquences. Mais ce sont des discussions, mais je pense qu'il faut rechercher des solutions qui nous permettent d'avancer. Si vous croyez à un projet, vous voulez le financer, mais cela n'apporte pas toute la valeur, il faut donc travailler en collaboration avec les autres. Alors, je pense que quand vous avez mentionné la structure, la nécessité des structures, et c'est la raison pour laquelle la KCB a mis donc en place une banque d'investissement, a donc galvanisé des structures qui sont nécessaires pour la structuration de la banque. Et puis, ceci permet également d'être disponible au niveau de tout le groupe. Nous avons besoin d'investir dans ces compétences. Pour ceux qui le savent, il y a donc une forte demande et il faut continuer à investir dans les compétences et les aptitudes qui peuvent aider la banque. Alors, je sais qu'on n'a pas assez de temps, mais je pense qu'il faut trouver des voies et moyens pour couvrir des coûts, autant pour moi, des coûts à l'avant-garde, des coûts en amont. Il y a donc des façons de le faire. Au gouvernement, je fais partie d'un comité qui organise donc les investissements à la post-COP au Kenya. Et nous avons donc encouragé le gouvernement pour venir un peu réduire les coûts et faciliter les parties pour venir. Vous voyez donc qu'il faut réfléchir sur différentes choses. Et puis, vous savez, la terre est limitée. Le gouvernement doit intervenir pour accompagner, n'est-ce pas, cette initiative. Les capitaux initiaux, c'est très coûteux. Il y a donc des façons qui permettent de réfléchir, comme vous savez, par exemple, au lac Turkana, au Kenya. C'est donc une forte surface aujourd'hui qui fait face à des difficultés au niveau des communautés. Donc, je pense que nous avons ce genre de structure et je pense que c'est un grand projet de production électrique. Ça permet de résoudre les problèmes des communautés. Il faut être capable de montrer le rôle du gouvernement. Je pense qu'il y a également des partenaires qui s'invitent pour voir comment est-ce que nous pouvons encourager des initiatives qui sont plus rapides. Il faut donc essayer de réfléchir sur la production d'électricité dans certains endroits, dans certaines localités dans le pays. Et puis, si quelqu'un vous dit, par exemple, qu'il a besoin de produire l'énergie à partir d'un fleuve, eh bien, moi, j'avais l'habitude de nager dans ce fleuve et je ne m'imaginais pas qu'on pouvait produire l'électricité. En dernier lieu, comment est-ce que nous pouvons identifier l'expertise? Bon, même si je suis une banque, même si je peux rechercher le financement d'une expertise, il y a peut-être une expertise quelque part, mais la question c'est de savoir comment je peux, par exemple, donner de l'argent, des subventions pour accompagner. Et nous sommes très transparents dans cela et nous ne cherchons pas à être compétiteurs. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous avez des investisseurs locaux qui s'intéressent à ces projets d'infrastructure à long terme? Oui, et c'est exactement ce que Viviane vient de dire. La plupart, n'est-ce pas, des fonds, des pensions ou encore des actionnaires ont besoin d'un retour spécifique. Dans les politiques, ils mettent en place un retour spécifique par rapport aux responsables des fonds en termes de politique. Donc, je pense qu'il y a des choses à améliorer à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle Viviane disait que ce financement présente des contraintes en termes donc de retour. Alors, par exemple, les dividendes de 2023, nous avions eu des problèmes à payer les dividendes. Mais je pense que les investisseurs, n'est-ce pas, sont intéressés pour venir parce que depuis 21 ans, ils reçoivent des dividendes. Ils attendent un certain type de retour. Et comme Viviane l'a dit, vous serez obligé, n'est-ce pas, d'accepter le type de retour afin de répondre aux exigences.
Donc, où se trouve ce capital, ce capital patient? Et comment il est possible d'apporter des partenaires pour toujours continuer à créer de l'argent, un retour significatif? Mais je pense que les banquiers dans la salle savent très bien que les marges seront compressées, il faudra rechercher des volumes et puis des projets beaucoup plus durables. On peut le voir, par exemple, dans les prêts non productifs. Sinon, vous aurez des conséquences néfastes. Voilà, donc les gens ont parlé également de la nécessité de changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Bon, nous sommes très en retard, mais au moins, on a parlé donc de l'investissement institutionnel. Françoise, selon Proparco, très rapidement, quelles sont les mesures qui sont nécessaires pour encourager des projets bancables dans le financement climatique? Alors, écoutez, je pense que d'abord la préparation de projets qui est une étape très importante. Nous avons davantage de financement sur la préparation de projets pour avoir des projets beaucoup plus bancables. Il faut que les projets répondent, n'est-ce pas, des critères des propriétaires des actifs, la taille, la devise, etc. Donc je pense que c'est quand même une utilisation pertinente, n'est-ce pas, de fonds concessionnels. Ce n'est pas toujours donné parce que c'est basé sur des subventions et pour les bailleurs, on ne sait pas toujours en avance comment fonctionner avec le fonds et parfois c'est moins attirant. Mais c'est très, très important. En deuxième lieu, nous avons développé... nous avons travaillé avec les partenaires, avec des banques locales, des banques africaines, en fournissant des lignes de crédit liées au climat et le fonds est orienté dans un projet avec les avantages climatiques. C'est donc des lignes créditaires à long terme et parfois nous apportons l'assistance technique, par exemple pour accompagner les banques à identifier des procédures pour identifier les opportunités climatiques ou bien pour mettre en place des cadres, aussi d'avoir des outils pour mesurer les effets des gaz à effet de serre. Donc, c'est une façon de consolider toute cette assistance technique. Par contre, ce que nous avons fait récemment, pour ne pas oublier, c'est qu'il y a différents types d'approches. Ce sont des approches qu'on appelle des approches pro-climatiques. Nous n'allons pas simplement examiner le fonds de l'utilisateur, mais aussi à l'endroit du partenaire pour canaliser les initiatives climatiques, pour répondre aux stratégies et dans le processus de décision, mais aussi dans la partie opérationnelle. Je pense que ceci est très intéressant parce que ça va se focaliser sur les acteurs, non pas seulement sur... le fonds d'utilisateurs, mais ça permettra donc de créer une transition pour ce type d'acteurs économiques. Alors, quelles sont les perspectives sur la bancabilité? Moi, je pense que c'est très important de comprendre pourquoi ils sont bancables. C'est la nécessité, n'est-ce pas, de financement concessionnel et parmi nous pour développer des entreprises dans lesquelles nous investissons afin qu'ils deviennent bancables dans le secteur privé. Et puis, nous avons également un mécanisme qui permet d'identifier des actions pour financer le développement d'un projet avant même d'investir. Je pense qu'il est très important de travailler en tandem pour voir un peu ce que Françoise disait, comment on peut collaborer avec le climat, comment ça peut illustrer que ce sont des investissements climatiques. Et je pense qu'en tant qu'IFD, nous avons d'autres rôles à jouer. Si on veut résoudre... les problèmes d'adaptation, on doit donc essayer les différents types de modèles d'affaires. Nous avons fait un investissement dans le domaine agricole, nous avons essayé de combiner le financement, le microfinancement, mais aussi l'accès aux engrains, aux semences, aussi bien que l'assurance. Et donc, ça nous permettra donc de créer un package différent. Ce modèle d'affaires n'est pas positif en termes donc de liquidité, mais c'est un rôle très important pour nous, pour avoir des garanties, pour retirer le risque de ce projet, mais aussi pour prouver qu'il y a différents types de modèles d'affaires. Ceci est très important pour le rôle des IFD.
Alors, pour les autres perspectives, la perspective de IFD, nous intéressons, n'est-ce pas, au cycle de vie préalable. Nous regardons les investisseurs à long terme. Nous devons également réfléchir sur la création des projets bancables et le cycle de vie des projets. Et donc, en libérant cet argent, ça nous permettra donc de commencer un peu plus tôt dans le cycle de vie. Et ça nous permettra d'avoir des actifs qu'on pourra vendre aux institutions. Et ce sera une autre façon pour jouer notre rôle, pour financer des structures, pour des projets beaucoup plus bancables. Alors, Viviane, vous avez parlé de l'importance. Comment est-ce que les projets bancables d'atténuation ont donc un impact direct? Oui, nous nous trouvons donc au cœur de ce problème et parfois nous devons interagir avec les clients en temps réel. Ce sont des conversations qui nous permettent de voir comment est-ce que nous pouvons agir à cet instant. Nous venons de traverser, n'est-ce pas, une saison d'inondation parce que à cause du changement climatique, c'est très difficile d'aider les entrepreneurs pour renfouler leurs stocks. N'est-ce pas, pour garantir les moyens de subsistance, sinon cette année, ça a été le chaos. Alors, en tant qu'IFD, à cause des défis auxquels nous sommes confrontés, et même avec des mécanismes beaucoup plus élargis, ça devient donc une perte immédiate. Mais nous comprenons que c'est donc une défaillance sur la capacité de mise en œuvre des clients. Donc je pense qu'il faut discuter pour la question du climat, les projets liés au climat, surtout... pour les communautés vulnérables, quel est donc le projet bancable? Je ne pense pas qu'on peut prendre la matrice qu'on va utiliser pour une entreprise pétrolière, mais une entreprise énergétique, et le coller à une initiative climatique, et en attendant recevoir des effets similaires. Je pense qu'il faut essayer de reconceptualiser la matrice. Les retours ne seront pas peut-être sur la base ou bien sur les fondamentaux, mais les retours seront donc à long terme. Et nous avons besoin d'attendre cette longue période. Nous avons également besoin de mettre à l'échelle. Parce que si nous voulons réhabiliter une forêt en Ouganda, eh bien, c'est une chose très, très positive. On est prêt à apporter les communautés et les économies locales, mais nous avons besoin de réhabiliter les forêts. Et ceci pourrait donc créer un impact à l'échelle mondiale. Donc, les solutions doivent sortir du niveau local et global. On doit donc créer des partenariats en tant qu'IFD et communauté et en tant qu'institution commerciale pour que cela soit une réalité. Parce que la façon dont nous voyons que c'est une menace existentielle, ça ne relève pas de quelque chose qui a lieu au sens théorique. Et si ça arrive, eh bien, ça a donc un effet global. On peut être les premiers, mais ce sera à l'échelle. Donc, je pense qu'il est très important de voir la nécessité de participer, de voir comment quitter d'une étape A à une étape B en tant qu'institution financière, en tant qu'IFT, afin que nous ayons un impact collectif et significatif à l'échelle mondiale. Quand j'entends le terme bancable, ça me fait penser à la dette. Et puis l'Afrique de l'Est, en tant que région du monde, nous sommes très affectés. Donc, il y aura des dettes qui vont s'accumuler au niveau institutionnel ou bien au niveau d'un gouvernement sur des initiatives d'adaptation. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut envisager. Donc, comment partager ces coûts? Parce que ce n'est pas toujours réaliste de s'attendre à ce que les communautés ou le gouvernement puissent porter les coûts. Voilà, donc je pense que c'est un problème international. Il serait donc très important de voir comment est-ce que nous pouvons élargir le coût partout, afin que nous soyons capables de mettre en œuvre les projets, parce qu'ils sont viables, moins coûteux, et le coût impliqué n'empêche pas son implémentation. Donc, voici un peu certaines problématiques auxquelles nous avons des difficultés. Et puis, nous aimerions collaborer davantage avec d'autres pour voir comment trouver une solution à cela. Merci infiniment. Voilà, nous avons 3 minutes qui nous restent pour notre thématique, notamment la collaboration, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà parlé de collaboration. J'aimerais donc demander à chacun d'entre vous, quelle est votre dernière contribution par rapport à ce point? Je vais commencer avec vous, Françoise. Merci infiniment. Écoutez, en termes de conclusion, j'aimerais insister sur la nécessité d'opérer de façon différente. Nous sommes totalement d'accord par rapport à cela. Nous devons mettre nos actions à l'échelle en faveur du climat. C'est très important.
et utiliser des nouveaux outils, des structures. Ceci est donc pertinent pour y arriver. Et donc, les IFD ont besoin d'être beaucoup plus des catalyseurs et nous avons besoin de les mettre dans une perspective un peu grandeur nature. Et ce n'est pas toujours une question d'outils ou bien d'avantages, mais cela relève également des conditions de la convivialité, n'est-ce pas, de l'implication du secteur privé. Et donc, avoir des systèmes financiers robustes à l'échelle locale, les bons cadres réglementaires, etc. Donc, gardons à l'esprit qu'il y a des nouvelles façons d'agir en faveur du financement climatique et leur pertinence est très importante et les solutions sont beaucoup plus larges qu'on y pense. Maria, très rapidement, comment est-ce que vous voudrez répéter? Oui, je suis d'accord avec ce que Françoise vient de dire, c'est ce que j'ai dit au début, je ne pense pas qu'il y a une solution magique. Il est très important d'ajouter les différentes méthodologies avec ce que nous avons. Et pour nous, ça se résume un peu sur ce que nous investissons. Si vous regardez, par exemple, les cartes, les tableaux, ça montre également le taux d'investissement des IFD. Nous sommes donc responsables, que ce soit dans l'atténuation, mais aussi pour trouver des voies et moyens, pour investir dans l'adaptation. Et nous pensons que c'est une façon d'explorer les autres modèles d'affaires. C'est très important. Alors, Vivienne? Yvonne, écoutez, je pense que le problème majeur, c'est l'échelle. Comment mettre cela à l'échelle? Parce que l'un des ingrédients essentiels, c'est la collaboration dans l'assurance, l'assurance politique et collaborative. Nous avons vu également des cas où les IFD internationales et locales, aussi bien que les capitaux privés, travaillent ensemble pour garantir des solutions d'assurance à l'échelle pour des projets. On a donc besoin d'accélérer cela. Autre chose, ce que nous devons faire dans l'urgence, c'est de continuer à voir comment est-ce que nous arrivons à réfléchir sur le stock de la dette que nous avons en Afrique. Comment nous pouvons également y impliquer d'autres instruments. Par exemple, la dette que nous avons eue avec le Gabon, c'est un exemple classique, où DFC a travaillé avec les institutions de conservation de la nature et la Banque d'Amérique pour créer des solutions qui n'auraient pas été disponibles pour le Gabon. Maintenant, nous sommes en discussion avec la BAD et d'autres institutions, et donc le filet s'élargit. Les gens viennent au niveau de la table pour voir comment réduire les dettes afin que ce soit des dettes beaucoup moins coûteuses pour les pays. Et ce n'est pas simplement pour la nature, mais aussi en termes d'impact. Voilà donc des initiatives très importantes qu'il faut encourager. Je dois également insister qu'aujourd'hui, nous avons vu les chiffres. Nous savons très bien que les IFD et les BDM contribuent à 10% de ce que nous avons. Il y a 1 000 milliards de dollars dédiés au financement climatique qui ont été le fruit d'une motivation. Et donc, une petite fraction est dédiée à l'Afrique. Alors, pour y avoir accès, nous devions travailler davantage avec les BDM africaines, les banques commerciales africaines qui comprennent très bien et qui sont en bonne position de gérer cela. Et cette partie de la collaboration est très cruciale pour mettre la croissance à l'échelle. Vivienne. Écoutez, pour moi, je pense que nous devons nous accorder par rapport à l'adaptation et les actions et les activités qui ne sont pas discrétionnaires. Nous avons dit, les scientifiques nous disent toujours que le temps est à notre défaveur. Je pense qu'il est l'heure pour le gouvernement de faire ce qu'il sait faire, c'est de créer un environnement propice qui ne devrait pas être trop populaire, y compris les avantages fiscaux, etc., afin d'encourager, dirais-je, le secteur privé de participer dans cette tâche aussi importante qu'est l'adaptation climatique. Parce que sans un moyen incitatif, et dans un cadre réglementaire, ça devient donc un exercice volontaire. Et malheureusement, ça va créer des fragmentations et ce sera exempt d'échelle. Nous devons donc agir de façon globale et tout le monde devrait s'y inscrire en tant qu'IFD. Nous devons coopérer entre nous afin de créer les compétences, afin de créer une différence.
Oui, Paul, vous avez la dernière parole sur la collaboration. Oui, écoutez, tout ce que je veux dire, c'est nous avons besoin de trouver des voies et moyens pour travailler de sorte à ce que la cartographie des parties prenantes arrive en amont, avant même que vous n'ayez recours à nous pour rechercher des financements. Donc, les clients veulent toujours faire beaucoup de choses et malheureusement, ça a un effet local par rapport à la réussite des projets. Donc, je pense que la cartographie et l'interaction des parties prenantes en amont est essentielle. Écoutez, vous savez, le temps passe très vite.